Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Red Dead Redemption 2. C'est un jeu de western où vous pouvez faire plein de choses et le monde est très très grand. Très grande carte, il y a plein de choses à faire quoi. Donc aujourd'hui je vais vous parler des améliorations d'armes et personnalisation d'armes. Vous pouvez les personnaliser comme vous voulez. Donc je vais vous montrer son cheval. Voilà. On range l'arme, voilà. Donc vous allez dans une armurerie. Hop, vous allez dans l'armurerie. Vous parlez au mec. Alors le feuilleté catalogue. Catalogue c'est je vais vous montrer. Vous pouvez avoir des armes, acheter des armes au vendeur. Là, vous avez pistolet, revolver, pistolet, carabine, fusil, pion, munitions et accessoires. Et vous avez tout ici. Voilà. Vous pouvez acheter, par exemple, vous voyez, voilà. Je vais juste vous montrer. Là vous avez ce premier pistolet au début. Et vous pouvez acheter celui-ci à 65$. Vous voyez les stats en bas à droite de la page, de chaque page, donc vous voyez s'il est meilleur que l'autre. Celui-là par rapport à l'autre, vous avez un petit peu plus de cadence de tir, mais apparemment vous perdez un petit peu de dégâts et vous perdez beaucoup de précision. Donc voilà, c'est un exemple. Mais après, vous pouvez améliorer chaque arme différemment. N'importe quelle que vous achetez, vous pouvez l'améliorer. Vous lui parlez et en bas regardez personnalisation, personnaliser sur X, personnaliser, et là vous pouvez personnaliser votre revolver, pistolet, ce que vous voulez quoi, ce que vous avez sur vous en fait. Donc par exemple j'ai le pistolet basique que vous avez au début. Vous pouvez nettoyer l'arme et changer les composants, changer la crosse, voilà, vous voyez, vous pouvez changer la crosse. Bon, la crosse, ça change pas tellement les dégâts ou pas. C'est juste pour le plaisir. Les canons, par contre, là, vous pouvez changer la longueur. Là, vous voyez en bas à gauche, la précision, elle augmente. Vous voyez, elle augmente la précision. Et les rayures, hop, c'est l'intérieur. Vous augmentez la portée. Hop, mince, je me trompais. Mire de fer, voilà, vous augmentez et vous voyez augmenter la précision aussi. Mettez une mire, vous changez la mire. Voilà. Je veux juste. Attends, allez, je veux juste pour une carabine. Carabine, je sais pas si je peux. Le plus de composants. Ouais, il y a plus de composants. Ouais, canon, mire, lunettes. La lunette, la portée. La sniper, quoi. La crosse, à mon avis, ça doit rien faire. C'est juste pour l'esthétique. La protection. Ça fait rien du tout les protections. Ah ouais. Ah, pour protéger les chambres et tout. Pour pas que c'est de l'intérieur. Parce que vous pouvez nettoyer l'arme. Vous voyez, nettoyer l'arme en haut. Donc elle me dit. Faut la nettoyer régulièrement. Donc métaux, après vous voyez. Gravure de métal, on va tester. Hop. Mettez sur le canon. Déjà équipé. Attendez. Métaux plutôt. Ça. Hop, changer la couleur, vous voyez, vous mettez la couleur que vous voulez, choisissez le vernis, la crosse, pas mal, hein, pas mal. Et après, ouais, les munitions, voilà, et pour le style d'arme, c'est vous qui choisissez les composants, vous mettez ce que vous voulez, quoi, curl dans le canoncier, composants. Croix et protection, il n'y a pas grand chose là, tu peux pas trop améliorer le truc. Mais voilà comment améliorer l'arme et personnaliser, mettre des couleurs que vous voulez. C'est vous qui choisissez le modèle que vous voulez. Mais vous voyez que vous pouvez mettre n'importe quelle arme. Donc si vous achetez une arme super chère, qu'il n'y a pas tout qui est à fond, si vous montez, mettez la mire, le canon long et les rainures, à mon avis, vous devez avoir un sacré bijou à la fin. Vous l'aurez monté à fond. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et bonne journée à vous.